Et bonjour, on va parler de la famille royale, on va parler de la santé d'un de ses membres. Hein. Vous devez souvent vous douter de la personne à laquelle je fais référence ici. Il s'agit du duc d'Édimbourg, Édouard Wessex, le mari de Sophie Wessex. Il est de moins en moins présent sur la scène publique, même s'il a assisté dernièrement au Remembrance Day, où il était parmi les membres de la famille à honorer les anciens combattants, mais il n'est pas vraiment sur la scène publique et lorsqu'il est, on remarque qu'il a beaucoup perdu de poids. Il a vraiment énormément perdu de poids et les fans de la famille royale se demandent si la famille royale cacherait quelque chose sur l'état de santé de celui-ci. On l'a vu dernièrement, comme je vous l'ai dit, auparavant il avait assisté, je crois, à une remise de prix pour le prix du duc d'Édimbourg et vraiment il était très maigre, il avait l'air... Il avait l'air malade, n'est-ce pas? Chaque fois qu'on le voit, il ne ressemble pas à celui qu'il était il y a quelques années. Certains disent que le décès de la reine aurait causé quelques soucis au niveau de sa santé mentale dans la mesure où il était anxieux, n'est-ce pas? Ce sont les sources qui le disent, hein, et qu'il a eu du mal à se remettre de la perte de ses parents l'un après l'autre hein, dans l'espace d'un an, d'une année, qu'il était très proche de son père, le prince Philippe, et aussi de sa mère, et que il en a pris un coup. Donc, si c'est le cas, les gens demandent à ce que la famille royale soit transparente et qu'elle puisse parler de la santé d'un des leurs. Ça permettra aux personnes qui souffrent de la même maladie de ne pas se sentir seules, de savoir que d'autres personnes comme elles souffrent et c'est une façon de montrer que la famille royale est proche du peuple. Donc par rapport à ça, qu'est-ce que je pense? Ben, c'est vrai que on se pose des questions chaque fois qu'on le voit. Moi, je me suis posé des questions à savoir pourquoi il avait perdu autant de poids. Mais de là à exiger que la famille royale fasse des annonces hein, ou des communiqués sur l'état de sa santé, je trouve que quand même non. C'est quelque chose d'assez privé et qu'il regarde. Je ne crois pas que celle-ci doive parler de sa santé à lui. Si c'est quelque chose de grave, peut-être qu'il vaudrait mieux qu'il se soigne pour ensuite parler de ça si ça lui convient. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas. À vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.